Cette chanson de Jean-Pierre Rudiel représente vraiment une étape dans l'art de Troubar. Alors, comme d'habitude, je vais passer 10 minutes à abattre quelques concepts faux sur les troubadours, bien sûr. Les troubadours, ce ne sont pas ces gens tirés des images d'Épinal qui vont se promener avec le luth sur le dos et quémander un mouchoir au pied d'une tour qu'une dame leur jetterait parce qu'il y a une joute après, ou un morceau de pain parce qu'ils ont faim. C'est l'inscription d'un art dans un contexte qui est d'abord un contexte seigneurial de haute cour. Le premier troubadour, c'est Guillaume IX d'Aquitaine. Il est quand même, dans l'Europe médiévale dont nous parlons, au XIIe et XIIIe siècle, un des plus grands seigneurs de l'Europe. C'est-à-dire, il est parmi les quatre grands comtes qui se partagent l'Europe médiévale. Il est duc d'Aquitaine et d'Anjou, et donc il est comte surtout. Hein. Comte, c'est encore plus important. Et il possède des terres immenses. Et on ne sait pas pourquoi c'est lui, mais c'est lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout cela apparaît, on va dire qu'en 1100, il a 33 ans. Il écrit des chansons d'amour, non pas en latin, mais dans la langue vernaculaire que les gens comprennent, que nous appelons aujourd'hui l'occitan. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'occitan, ça s'appelait langue de Limousie, langue de Quercy, Provenza aussi. Et il va, par sa mère qui est bourguignonne, s'intéresser à cette langue. Et pour être compris de tout le monde, il va versifier dans cette langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie des expressions qui seront les expressions fondatrices du troubard. Il emploie par exemple le mot « atelier ». Il dit, vous verrez que quand les mots que j'aurai fabriqués dans mon atelier seront sortis, ce sera le meilleur vers que vous aurez jamais entendu. Il s'adresse aussi à ses compagnons. Il adresse des chansons d'amour à ses compagnons, ses copains de guerre. Il adresse aussi, bien sûr, des chansons d'amour à la Dangereuse, c'est la vicomtesse de Châtellerault, qu'on appelle la Dangereuse, l'a bien nommée pour lui, puisqu'il va aimer cette dame hors mariage et sera pour cela excommunié 3 fois. Donc nous voyons que nous avons affaire au début à la création d'une poésie aristocratique. Pourquoi tout le problème est là, et aujourd'hui on n'a pas encore répondu. Moi j'aime bien quand Gérard Gouiran dit nous avons affaire à l'opni, ça veut dire objet poétique non identifié, parce qu'on n'arrive pas à vraiment identifier pourquoi ce conte a eu besoin à un moment d'écrire dans cette langue occitane que tout le monde comprend, et d'écrire des chansons d'amour qui n'ont plus rien à voir avec l'amour latin, la Vierge Marie, etc. Là, c'est vraiment un contre-pied. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il emploie souvent le mot « clau » et « contre-clau ». Donc il invente les clés d'un troubard, les clés d'un langage, et il en donne les contre-clés aussi. Donc il dit dans ses chansons que
Je vous donne une clé, mais il faudra aller chercher la contre-clé en Quercy, par exemple. Donc, ça commence comme ça, c'est-à-dire ça commence très fort. De Guillaume IX, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons simplement un incipit de l'Alléluia de manuscrit de Saint-Martial de Limoges, le jeu de Sainte-Agnès, c'est juste un petit trompe, et c'est la chanson de Compagnons, Compagnons, Farei, Vesedrene, c'est tout, point. Et un petit témoignage aussi tiré d'une pièce théâtralisée de notre troupe Boys de Chanta. Boys de Chanta, mes venta, alléluia. Et quand vous me l'entendez chanter, on voit bien que nous sommes vraiment dans la tradition liturgique. Donc la musique qui est attachée au poème de Guillaume IX n'est pas du tout représentative des textes. Et les textes, il y en a 40, et les textes vont dire à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire que, un, la poésie va se situer sur un terrain politique, c'est très important. Elle va être un outil de communication, aussi un outil de réflexion. Et elle va se situer sur le terrain amoureux. Et sur le terrain amoureux, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est, comme dit Ninelli dans son livre sur les poètes anticonformistes, elle va être en contre-pied d'un amour dit courtois, comme on l'entendrait aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire là, on parle vraiment de l'amour charnel, quoi. C'est issu de cette tradition latine d'amour amor carnalis. Donc, Guillaume IX va être le premier truc. Le tout premier. Poésie aristocratique, nous sommes en Limousin, et nous sommes dans le domaine du hoc, du nous et du res. Ça veut dire du oui, du non et du rien. Farei une verse des dreit nien, par exemple. Je vais faire. Alors, on peut traduire de deux façons. Je vais faire un vers, c'est-à-dire une chanson, puisqu'au début, on dit vers, chez les troubadours, on emploie le mot vers pour désigner versus, c'est-à-dire la chanson. Je vais faire une chanson des dreit nien, on peut traduire à propos du droit néant, ou bien sur le droit de rien. Et c'est très important parce que la poésie troubadouresque, c'est-à-dire le troubar, se pense d'abord comme une réflexion sur l'écriture du troubar. Ça sera démontré bien plus tard par Joé Bousquet, par exemple, par les poètes sur la liste, mais surtout Joé Bousquet, qui, à mon sens, est le plus grand, et puis Pierre Reverdy à Narbonne. Donc, la chanson que nous avons entendue, par contre, se situe bien plus tard, on va dire 50 ans plus tard, et c'est encore une chanson, on va dire, attachée à une classe sociale aristocratique, c'est Geoffrey Rudel de Blaye, dont on disait qu'il était prince, et là, on commence à voir apparaître dans les manuscrits des chansons qui sont... il n'y en a pas beaucoup, hein, pour lui, pour Geoffrey Rudel, il y a 7 ou 8 chansons. Il y a une chanson qui est construite comme une chanson. D'ailleurs, alors, la chanson que Sandra a interprétée, là, le premier couplet, L'Ancanli Giun Sun Lung E Mai, pose avec Geoffrey Rudel tous les éléments qu'il faut pour bâtir une chanson. Et Geoffrey Rudel ne s'en prive pas, puisque il dit. Dans une de ses chansons qui s'appelle Nusap Chanta Kiso nous dit, il donne l'explication. Il ne sait pas chanter celui qui ne sait pas exprimer le son. Il ne sait pas chanter s'il ne comprend pas lui-même ce dont il parle. Donc, c'est cette chanson, John Gruber, dans Die Dialektik des Troubar, a démontré qu'elle était importantissime parce qu'elle va sceller dès 1100. 40-45, elle va sceller ce que doit être une chanson de troubadour. Et ça sera inscrit dans le marbre, définitivement, ça veut dire qu'une chanson doit être tellement parfaite qu'il n'y a plus rien à rajouter, et que plus on va la chanter, et plus on l'entendra, et mieux elle s'améliorera. C'est ce que dit Geoffrey Rudel dans la chanson « Nusap Chanta », il faut qu'on la chante en Quercy,
et ainsi elle s'améliorera si on la chante là-bas en Quercy ou bien ici en Limousin. Donc, nous avons affaire à des poètes qui sont vraiment, vous avez compris, très loin du cliché dont on affuble les troubadours depuis, quoi. Donc, on réfléchit sur le mot et sur le son du mot. C'est très important parce que aujourd'hui, enfin depuis assez longtemps finalement, on va dire depuis 30 ans, je dis aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est récent, quand on entend des chanteurs de troubadours, des ensembles qui chantent les chansons de troubadours, de trouvères d'ailleurs, ils s'attachent beaucoup à déployer un instrumentarium énorme. Ça veut dire qu'il y a une vielle arche, une cithole, etc. Et tout le monde fait une exposition organologique d'instruments pour accompagner une chanson. Or, les troubadours n'en parlent jamais de ça. Ils parlent peut-être comme Peyrolles sans ben viola. Ils savaient bien jouer de la vielle, pardon, et faire des bons mots. Mais l'instrumentation, l'instrumentarium, l'accompagnement de la chanson, ils n'en parlent pas beaucoup. Ce dont ils parlent, c'est la composition métrique et mélodique. C'est le thème. Alors, j'en arrive justement à la recette. Comment un troubadour fait une chanson? Parce que tout ça, ils le disent, hein, toujours. Il faut bien sûr. Alors, d'abord, il faut que la canzone soit première, ça veut dire qu'elle doit être neuve et nouvelle, et comme une naissance. Jacques Roubaud, dans son livre La fleur inverse, démontre qu'une chanson est à caractère unique. Un troubadour ne va pas copier deux fois le même thème dans la série des chansons qu'il va faire. Le troubadour Bernard Marty dit: moi je fais beaucoup de chansons toute l'année, j'en écris tout le temps, une, deux ou trois par an. Donc ça veut dire que la chanson de troubadour représente à un moment un symbole qui est objet artistique. C'est pour ça qu'Arnaud Daniel dira art de troubar, l'art de troubar. Ce n'est pas simplement troubar, trouver, inventer, c'est art des troubards, ça veut dire c'est un art. Et cet art, il est décliné avec la personnalité des troubadours sur différentes formes, sous différentes formes. Certains vont s'attacher au désordre phonologique, comme Raymond d'Orange. Là, on va voir apparaître, bien sûr, des courants stylistiques, comme le troubard Cluse, comme le troubard Léo, comme le troubard Ric. Mais quelle que soit la forme, le style, il y aura un objet d'art à chanter. Et cet objet d'art à chanter, les troubadours eux-mêmes commencent à en fixer les contours, comme si un peintre disait: voilà, maintenant nous avons des couleurs. D'ailleurs, la peinture, la sculpture chez les troubadours est toujours présente. Par exemple, Bernard Marty, dont je viens de parler, là, parle bien sûr de. On disait qu'il s'appelait Bernard Marty, l'Oupintor. Il parle de lingua entrevescada nel vais. La langue, je vais faire une chanson dont les mots vont être comme la langue entrelacée dans le baiser. Donc les entrelacs, c'est quelque chose qui est attaché par exemple à la sculpture romane. Quand un troubadour va parler de son, il va parler de fin son que são d'aura ubra fabrica. Donc là, on est vraiment dans l'atelier du premier troubadour. Rappelez-vous cet atelier. Donc, dans cet atelier, on va forger des mots, on va ouvrir des mots et on va les dorer, les polir, comme dit Arnaud Daniel. Alors, je reviens à juste ce que je disais un petit peu avant. La recette, c'est toujours la même, et les troubadours en parlent. Il faut d'abord une bonne raso, raso, ça veut dire un bon sujet, une bonne raison de faire une chanson. Pourquoi faire une chanson si on n'a pas une bonne raison? Cette raison, bonne, déjà, le mot bonne,
Il est ambivalent. Ça veut dire à la fois bon et ça veut dire aussi noble. Il faut un bon son, butsus, dont le son, c'est à la fois la mélodie, comme nous avons entendu la mélodie, mais c'est aussi le son de la chanson. Ça veut dire le son des mots. Il y a des chansons qui n'ont pas du tout de mélodie, comme celle de Raymond d'Orange, « Ares plan la flou, sember, sapel, trincan, rince, pel, texte, scalfou, neuchel, secoum, la piste ». Voilà une chanson qui n'a absolument pas de mélodie, mais qui a un son. Et enfin, « Mouts, souts, razous, sous et mouts ». Ça veut dire que les paroles, elles doivent être toujours nouvelles. Et là, on le retrouve beaucoup chez le Père Vidal, enfin, tous les troubadours en parlent. Nouvelle à Chansu, am sus, mutz, nouvelles. Prime, premiers, etc. Et quand on se retrouve, nous, aujourd'hui, avec 850 ans de décalage, on a beaucoup de mal à pénétrer ce monde-là. Et en plus, on ne peut pas l'étudier à l'université, parce qu'il n'y a pas d'enseignement là-dessus. On a toujours des enseignements sur les textes, la textologie, la philologie, la linguistique. On a des enseignements sur la musicologie, musicologie dont le tracé finalement reste très pauvre, puisqu'il s'agit de tout simplement traduire la notation musicale qui est contenue dans les manuscrits, dans les chansonniers médiévaux, et sur quatre lignes à notation carrée. Ça, c'est vraiment pas le plus difficile. Et on n'a jamais pris en considération que nous avions affaire à des artistes. Et moi, j'aime bien parce que ce que nous faisons avec l'université de Stanford, c'est justement là-dessus, performing troubar. Ça veut dire que le troubar, c'est bien de le lire. C'est bien de le regarder, mais c'est mieux si on le comprend et si on le met en performance. Et à ce jeu, effectivement, tous les artifices sont autorisés. Et les artificiers sont les jongleurs. Très important. Parce que le jongleur est finalement la personne qui va faire l'interface entre celui qui a pensé la chanson, qui a écrit la chanson, qui a conceptualisé la chanson, et puis le public. Il y a un très bon livre là de Maria Meneghetti, Il pubblico dei trovatori, qui montre que le jongleur est toujours en situation de performance. Nous avons fait une expérience là dans le cadre du Château de Puyvert avec les étudiants, et je vous assure, c'est très difficile d'être un jongleur. Parce que il faut savoir beaucoup de choses. On sait que la confrérie des jongleurs, dans les menestrandi au Moyen-Âge, il fallait savoir jouer de plusieurs instruments, il fallait savoir chanter haut et bas, etc. Mais le rapport qu'il y a entre le troubadour, le jongleur et le public va constituer ce que on peut appeler la spectacularisation de cet art de troubar. Donc cet art de troubar, avant d'écouter une chanson de Bernard de Ventadour, cet art de troubar, il est très intéressant parce qu'il n'est pas tout seul détaché du monde. Vous avez compris que nous avons affaire à des gens qui travaillent sur les mots, sur le langage des mots et des sons, mais pourquoi? Parce que dans la société médiévale occitane, il se trouve que ça fonctionne complètement différemment de la société médiévale dans les pays d'origine. La femme a une place importante. Quand le mari va faire ses 40 jours en croisade, elle a les clés du château et elle est maîtresse. Mais elle est maîtresse de ses terres toute l'année. Nous sommes ici à Narbonne. Ermengarde de Narbonne était une femme qui était un seigneur. Ça n'existe. La position de Ermengarde de Narbonne, ça ne pouvait pas exister dans le nord de la France, ou encore moins en Allemagne. C'était une femme qui avait l'autorité. Et au nom de cette autorité, elle faisait ce qu'elle voulait.
Elle portait l'épée si elle avait envie de porter l'épée. Elle pouvait faire des activités culturelles, programmer des recherches sur la médecine ou développer économiquement le pastel, ce qu'elle a fait à Narbonne, si elle avait envie. Ça veut dire que ce qui va se jouer avec cet art de Troubar, c'est une relation très pointue, très spéciale entre un poète musicien, le troubadour, et quelqu'un qui a le pouvoir. Là, il se trouve que c'est Damer Mengarde, mais ça peut être Raymond VI de Toulouse, ou le comte de Barcelone. Et le jeu, parce que c'est un jeu, va consister à plaire. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur les jongleurs, en performance, quand on est devant un public, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est plaire. Donc, ce plaisir, il va être à double sens. D'abord, c'est le plaisir d'écrire une chanson pour montrer à ses collègues, les intendants, que on est capable de faire la meilleure chanson du monde que personne n'a jamais entendue, avec la mélodie la plus fantastique et le son le plus élaboré. Mais aussi montrer au Seigneur que la parole est tellement forte qu'elle peut être aussi destructrice, qu'elle peut entrer dans un jeu politico-social. C'est ce qui se passe avec beaucoup de troubadours. Raymond de Miraval est l'ami du comte de Toulouse. Ils écrivent, il lui écrit, il écrit des chansons au comte de Toulouse avec le signal Audiard. Bertrand de Born va se servir des chansons pour mettre la zizanie entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Etc. Raymond Jourdan va s'attaquer au comte de Toulouse. Donc la chanson devient un objet d'art, mais un objet d'art qui peut être très dangereux pour les puissants, d'ailleurs très dangereux aussi pour les troubadours, parce que certains troubadours y laisseront la vie, notamment à l'époque de la croisade contre les Albigeois. À l'époque de la croisade contre les Albigeois, on ne pouvait pas impunément écrire des chansons et les chanter devant n'importe qui. Témoignage de Peyre Cardinal quand il s'adresse à Raimondet, son jongleur. Attention Raimondet, cette chanson elle est bien, mais tu ne dois pas la chanter devant n'importe qui. Donc la chanson devient quelque chose de très important. Et attaché à cet art de composer une chanson, rentre en jeu également le souci, dès l'époque de Geoffrey Rudel, avec Arnaud de Tintignac, qui dit, joli clair, attention, je viens de faire une chanson, elle est parfaite, maintenant tu dois la mettre en écriture. Et ça, c'est le symbole. Ça veut dire que l'écriture, au Moyen Âge, a valeur de symbole. On sait que les 48 chansons de Guiraud Riquet qui ont été copiées ici dans un scriptorium à côté de Narbonne, l'ont été sous l'œil de Guiraud Riquet. Et elles ont été ordonnées, classées, en fonction de ce qu'il a dit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand les troubadours, je ne parle pas du premier troubadour, je parle à partir de Geoffrey Rudel, ça veut dire à partir du début de la première moitié du XIIe siècle, de la première moitié du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle, 1292, quand les troubadours font des chansons, c'est qu'ils pensent que la chanson doit être écrite pour plus loin, plus tard. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un témoignage d'un troubadour qui s'appelle Guiraud d'Espagne, à la fin du XIIIe siècle, alors qu'on ne s'intéressait plus trop aux troubadours, puisqu'il y a eu la croisade contre les Albigeois, que dans la société méridionale, il y a des barons français qui n'y comprennent rien et que ça n'intéresse pas. Et lui, il dit, eh bien, je ferais mieux, plutôt que de chanter mes chansons, de chanter le Berce del Lavadou de Macabru. Ça veut dire, Marc Habru avait écrit une chanson qui s'appelle L'Ouverse de Lavadour. C'est allégorie sur le tombeau de Jésus-Christ. Et elle devait être tellement populaire que un siècle et demi après, il y a quelqu'un qui dit, eh bien, je ferais mieux de chanter cette chanson, elle me rapporterait beaucoup plus. Voilà le contexte, si vous voulez. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations pour si vous ne connaissez pas les troubadours. Mais
Voilà le contexte de ce qu'on appelle l'art de Troubar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on avait, avec Thierry, choisi ce mot, parce que la question c'était, est-ce qu'il y a une limite au Troubar? Il n'y a aucune limite au Troubar. Un troubadour est libre d'écrire vraiment. La seule limite qu'il a, c'est peut-être son imagination. Sur le plan de la musique, Jacques Chaillet, qui est un grand musicologue français, dira que la monodie avec Guiraud Riquier atteint le maximum de son art et la vraie renaissance est là. La vraie renaissance n'est pas dans les débuts de la polyphonie, comme on le situe avec Guillaume de Machaut, mais dans l'avènement de la monodie. Et sur le plan des textes, Louis Bédier va expliquer que un poète comme Bernard de Ventadour, et pourtant Louis Bédier, il est vraiment pas du tout du côté des troubadours, il va expliquer que un poète comme Bernard de Ventadour, un poète comme Peyre Cardenal, égale Rudebeuf, ce qui est une immense concession de la culture dominante à une culture troubadouresque occitane. Je vous propose d'écouter une chanson de Bernard de Ventadour, qui est une chanson qui est, elle, dans le style du troubar léu. Ça veut dire, c'est le troubar léger. D'ailleurs, Bernard de Ventadour se présentait, lui, comme Gai Chantadour. Il disait, Nones meraveio, Nones meraveio, mais que nul autre chantado. Il n'est pas merveille, ce n'est pas étonnant si je chante mieux que le meilleur des chanteurs, parce que moi je sais faire des mots, etc. Il glitch que
Idée aujourd'hui de comment se chanter une chanson de troubadour. J'ai travaillé beaucoup avec Guillaume Gruber sur ce concept-là. Quel est le rythme de l'homme médiéval? Et en fait, le rythme de l'homme médiéval est calqué sur le pas du cheval. Il y a souvent cité, encore Guillaume IX, j'ai écrit cette chanson « Tout le même mon cavail » en dormant sur mon cheval. Cervère de Gironne, j'ai écrit et j'ai noté à l'intérieur entre Lleida et Barcelone. Ça veut dire que on passe beaucoup de temps à cheval. La chanson naît comme ça. De ce rythme tranquille du cheval. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les manuscrits, bien sûr, nous n'avons absolument aucune indication rythmique. Il y a des vers qui sont d'une métrique parfaite. Alors, est-ce qu'il faut prendre sa respiration en début de vers et enchaîner le vers et puis reprendre sa respiration, ce qui dégagerait un rythme naturel, je dirais, dans la phraséologie musicale, du type... Ce qui est possible. Où est-ce qu'on peut respirer de façon différente pour donner un autre rythme? Postulna tsui empruenza e ta madonna sabu bendei fa. Ou encore différemment. Une fois, j'avais fait une intervention là, dans le cadre du Centre de musique médiévale de Paris avec des comparaisons sur cette même chanson de Peyre Vidal. Parce qu'elle est très... Elle contient beaucoup d'ornementation vocale. Et j'avais fait écouter. Alors, ça allait de Postornatui en Provence et ta Madonna Sabou Bendeifa. Donc, ça allait de ça à Postornatui en Provence et ta Madonna Sabou Bendeifa Gaya Chansu. Donc, entre Iliard Ensemble et Esther Lamandier, il y avait quasiment deux mondes, deux perceptions, et complètement différentes. Et quand on sait ce que dit la chanson, c'est pour ça que le contexte est important. Quand on rentre dans l'univers des troubadours, on ne peut pas simplement prendre une chanson, la chanter, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre le contexte. Quand on connaît le contexte de cette chanson, parce que les troubadours... Et les jongleurs, grâce au fait qu'ils introduisaient les chansons, ils les partageaient, donc ils leur donnaient une introduction, on sait que la chanson de Peyre Vidal, Postornatui en Provence, par exemple celle-ci, comme celle de Bernard de Ventadour, ont un contexte particulier. Et c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas nous nous y employons, c'est-à-dire de chanter, comme disait Jean-Pierre Rudel, en comprenant en soi-même ce dont la chanson parle et son contexte. Donc là, en l'occurrence, la chanson de Peyre Vidal, Postornatui, ou bien une autre, devrait se chanter de façon très joyeuse,
parce qu'il a été chassé de Provence, parce qu'il avait volé un baiser à la dame Barral, et puis elle lui a pardonné sur les recommandations de son mari, il est revenu, donc il est très joyeux. Donc on pourrait peut-être plutôt la chanter Post una suie in Provenza et ta Madonna Sabou. Vous voyez, c'est une différence quand même fondamentale. Et c'est souvent ce qui rend la musique médiévale très ennuyeuse, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'ils chantent et fonctionnent sur des clichés, encore une fois, qui sont liés plus à des images d'Épinal, le troubadour qui va sur son cheval avec le rebec sur son dos, plus que ce que l'œuvre représente en elle-même vraiment. Donc, à ce stade-là, on peut peut-être s'interroger, bien sûr, sur le rôle des chansons, leur impact. Est-ce qu'elles ont eu un impact et sur quoi, pourquoi, comment, quand? Et on peut surtout se demander, mais pourquoi ça s'est arrêté puisque c'était si génial? D'ailleurs, le mot Jane est souvent employé par les troubadours. Raymond de Miraval, Benessa bis, Benessa bis curtese sciens. Béni soit la science courtoise, le savoir et la science courtoise. Raymond de Miraval, Jane and Jane, génie, génial. Les troubadours emploient souvent les mots qui rapportent le fait que leur composition est si parfaite au mot de maestria, maestria de trouba, à maîtrise. Lo mestre, c'est Giraud de Bonnet. Et à la cour du Puy-en-Velay, le meilleur troubadour recevait le droit de porter l'épervier sur le bras. L'épervier, c'est l'oiseau sauvage qui permet de chasser les lapins et qui est très difficilement domptable. Et celui qui était considéré par ses pairs comme le meilleur troubadour avait le droit de tenir l'épervier. C'est tout un symbole intéressant qui montre que, à cette époque-là, pendant ces 2 siècles, les troubadours n'ont eu de cesse de confronter les uns avec les autres leur art de troubard. Ça commence avec Peyre d'Alvergne, qui écrit une chanson sur différents troubadours qui chantent des maintes couleurs, de maintes couleurs, et puis de différentes façons. Ça va jusqu'au moine de Montaudoin, et puis ça finit encore avec Guiraud Riquier, qui dit: Je ferai cette chanson volontiers, mais je ne lui donnerai pas de tournade parce que le compas ne lui convient pas. Donc là, c'est encore un deuxième niveau de compréhension de la chanson. Et à propos de niveau, il est important de souligner que toutes les chansons de Troubadour sont compréhensibles par tout le monde. Mais tout le monde ne comprendra pas tout. Tout le monde ne comprendra qu'une partie. C'est pour ça que ça commence, comme dit souvent René Nelly, il l'écrit souvent, ça commence comme une chanson de mai. C'est-à-dire maintenant que le printemps reverdit, j'entends les oiseaux, ça m'inspire et je vais faire une chanson. Ça commence toujours comme ça. On se dit, ah, c'est bien d'entendre ça. Mais après, plus on avance dans la chanson, plus on s'aperçoit que le discours est complètement différent et s'approfondit vers d'autres paramètres qui sont, comme écrit René Nelly dans l'érotique des troubadours, qui se placent sur le plan de la philosophie, sur le plan de l'art d'aimer. Souvent, il y a la référence au livre d'Ovide, L'art d'aimer, ou bien encore les considérations psychologiques. Et cet amour-amitié qui est développé chez les troubadours va constituer finalement quelque chose, un substrat très subtil qui va lier un homme à une femme. Mais ils seront que tous les deux à le savoir, même si la chanson est chantée devant tout le monde. C'est ce qui se passe beaucoup chez Raymond de Miraval avec Maïs Dami, Nalouba et les 7 dames auxquelles il écrit des chansons. Donc, voilà ce qu'est l'art de Troubard. Quand nous sommes à la période de la croisade contre les Albigeois, après
Après l'invasion brutale, les troubadours laissent leurs plumes et ne vont plus trop s'intéresser à ces concepts artistiques que sont les chansons de troubadours, mais plutôt à des chansons virulentes, politiquement utiles, engagées bien sûr, contre l'Église de Rome ou contre les croisés. Et Père Cardinal dira lui-même, dans une de ses chansons, que le temps n'est plus aux chansons d'amour. Il laisse les chansons d'amour pour écrire des sirventes. Les sirventes, ce sont des pamphlets politiques, satiriques. Et là, on est dans un autre troubard. Et nous sommes presque à la fin, en 1230-40, beaucoup de troubadours vont s'exiler et vont partir beaucoup pour la Sicile, d'autres en Catalogne, certains pour l'Italie du Nord. Et en fait, il n'y aura que Guido Riquet de Narbonne qui, ayant senti le vent tourner, se sera réfugié à la cour de Tolède chez Alfonso el Sabio, et quand il va revenir, il ne va plus reconnaître cette société qui a complètement changé. Et il ira se réfugier à la cour du comte Henri de Rodez, où là, il va continuer à écrire ses chansons. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, alors que dans le domaine des spécialistes des troubadours, qui est un petit domaine dans le monde, vous vous doutez bien, on considérait toujours Guido Riquet comme le dernier troubadour, ce n'est pas intéressant, il chante la Vierge Marie, etc. Mais finalement, quand on lit bien ses textes, eh bien, il décrit un monde qui ressemble beaucoup à celui-ci, aujourd'hui. Les gens font des procès pour n'importe quoi, contre n'importe qui. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent de l'argent. C'est ce que nous dit Guido Riquet. Il est en train de nous faire un état des lieux de la société médiévale telle qu'elle est à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire une société qui a complètement perdu ses références de l'art de troubard, qui a perdu ses références de la chanson d'amour. Bon, je n'ai pas parlé de la fine amour, mais je vous laisse toutes les questions là-dessus, puisque le troubard, ça doit être fine troubard, ça va bien sûr avec fine amour, comme les alchimistes recherche à finir l'or pour le rendre plus fin encore. Je vous propose d'écouter une chanson de Guido Riquet, celle que tu veux, et puis à partir de là, on pourra faire un échange, on pourra avoir un échange avec des questions, si vous voulez bien.
est donné. Vous devez l'apprendre. Bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure le cheval, pour le rythme, la présence. Dans l'art figuratif médiéval, si on cherche des chevaux, on n'en trouvera presque pas. Dans la peinture murale, dans la minure, dans la sculpture, il y a pourtant plein d'animaux. Des chevaux, il y en a, à mon avis, à ma connaissance, presque dans une seule occasion, c'est pour les scènes de tournoi. Et enfin, il me semble, j'ai bien dit. Hein. Et donc, je trouve ça intéressant que le cheval soit peut-être très important, même s'il n'est pas visible, dans la musique, alors que dans les arts visuels, il n'existe pas, ou très peu. C'est presque faux. D'accord. Tout simplement parce que si vous regardez les miniatures qui sont dans les manuscrits attachés aux troubadours, on voit beaucoup de troubadours à cheval. Raymond de Vaqueras, Bertrand de Borne, Raymond de Miraval. C'est important pour deux raisons. Parce que d'abord, le fait d'avoir un cheval et d'être armé, ça donne un statut social important. Les troubadours sont des personnages importants. Par exemple, dans la Raso qui est attaché à Raymond de Vaqueras, on sait que à la mort du marquis d'Est, qui était son protecteur, il avait châteaux et chevaux. Peyre Vidal, dans la Raso qui est attaché à Peyre Vidal, on sait que il était tellement triste à la mort de son ami et protecteur, le comte de Toulouse, qu'il a fait couper la pointe des oreilles à ses chevaux. Il ne s'est plus rasé, il ne s'est plus coupé les cheveux ni les ongles. Le cheval constitue vraiment, dans la représentation, là je parle que des chansons de troubadours, on est bien d'accord, on parle que des troubadours. Une présence forte qui à la fois montre qu'il passe beaucoup de temps à cheval, parce que comment aller outre-mer si on ne voyage pas beaucoup à cheval jusqu'à la Sicile. Et en même temps, ce cheval en question, puisqu'on passe beaucoup de temps dessus, et qu'il y a des témoignages de chansons qui ont été faites en dormant sur son cheval, comme dit Guillaume IX, ou bien il dit aussi dans une chanson, j'ai deux chevaux et ils tous cavalent. Et le cheval est vraiment plus que autre chose pour les troubadours et dans le domaine du troubard que ce que vous pouvez en percevoir dans les sculptures. Effectivement, je suis d'accord avec vous, dans la sculpture romane, il y a très peu. Mais pas dans la miniature, pas dans la peinture murale, là, pas dans la chanson de la croisade. Il y a beaucoup de chevaux dans la chanson de la croisade. C'est le cheval qui permet de conquérir les territoires. C'est ce qu'a fait Simon de Montfort. Il avait une armée à cheval très importante. Dans le livre de Ibrahim Malouf, qui s'appelle La croisade vue par les Arabes, ce qui a complètement déstabilisé les Arabes, c'est surtout cette armée avec des chevaux très puissants, harnachés de ferraille comme des vrais tanks. Et effectivement, les chevaux arabes rapides, les arcs et les flèches, contre des gros chevaux carapassonnés partout, le combat est devenu inégal. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et nous nous sommes intéressés vraiment à ce que peut représenter le rythme du pas du cheval dans la composition. Et mon ami philologue Jörn Gruber, il avait un cheval,
qui s'appelait Boccaccio, parce que c'était Boccaccio, hein, c'est Dante Alighieri. Et très souvent, nous avons fait l'expérience. Alors lui, il comptait les pas, et moi, je chantais des chansons comme Arabe la force del frey, celle que nous voulons de Chansu, de Raymond Miraval, sur Boccaccio, pour voir comment ça pouvait, pour voir si de là pouvait émerger un rythme, un oratori, si vous voulez, naturellement. Voilà. Et oui, bien sûr, c'est très difficile de chanter à cheval, mais par contre, on a une perception rythmique différente. Parce que, aujourd'hui, par exemple, ça vous est arrivé, vous prenez une voiture qui fait du bruit, il ne faut pas une voiture, c'est trop électrique, il faut une voiture avec un moteur, et vous chantez à tue-tête dans la voiture, et vous vous calez sur l'environnement sonore de la voiture. Si vous prenez le train, par exemple, vous fredonnez, vous vous calez sur cet environnement sonore. Mais en même temps, si vous vous déplacez, c'est la même chose. Si vous courez, par exemple, quand vous courez, vous ne faites pas que faire... Ça, c'est le rythme, celui qui court. Mais vous êtes très sensible à tout ce qui passe des pieds jusqu'à votre cœur, là, avec les battements du cœur et la respiration. Donc, ce concept, moi, me paraît très séduisant pour expliquer un jour ce qu'est peut-être le rythme d'une chanson de troubadour. Parce que ça, nous avons perdu. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un tout petit peu le Zingaro, qui parle du chameau, et qui dit que le chameau est à 5 temps, il démarche. C'est vrai que les peuples qui sont proches du chameau ont souvent développé des rythmes à 10. Le Maghreb, par exemple, il y a beaucoup de rythmes à 10 temps, à 5. Le cheval serait à 4 temps, quand il ne va pas trop vite. Et au galop, il serait plus proche du 3 temps. Donc ça, c'est intéressant, mais après, je ne sais pas, ça dépend des chevaux aussi. Et ça dépend non, je pense que c'est tous les chevaux. Oui, mais c'est une interprétation. Moi, le 3 temps au galop, je ne l'ai pas trop remarqué, je l'ai cherché, mais il est... peut-être le cheval au 21e siècle n'a pas la même démarche. Le cheval n'a peur. Non, enfin, bon, c'est intéressant le rapport peut-être du... Mais le rapport rythmique, moi, je crois, de l'homme médiéval, il faut le chercher dans son environnement, quoi. Ça veut dire, il y a le cheval, c'est très très important, mais il y a par exemple le bateau aussi. C'est très important aussi, puisque on allait souvent, hein, on traversait souvent la mer, il n'y a pas de barrière là, quoi. Et je crois, ce que tu dis là par rapport au chameau, là, avec le rythme à 5 ans, effectivement, moi je crois que si on regarde la métrique des chansons de troubadour, l'octosyllabe, c'est vraiment quelque chose qui est très employé. Et l'octosyllabe, ça se découpe sur un 4 temps facilement, plus facilement que sur un 5 temps, par exemple. Mais bon, là aussi, on a plus, nous sommes plus dans le domaine de l'intuition que du savoir affirmé, puisque nous n'avons rien d'écrit là-dessus. Mertens et les anges musiciens, tout ça, c'est de l'iconographie, mais il n'y a pas un traité sur le rythme au Moyen-Âge, à part le chant des voyelles que l'on pratique dans le domaine liturgique, il n'y a pas vraiment de traité, quoi. Donc, supposition. Il n'y a pas un traité non plus en musique indienne sur l'origine des rapports qu'il peut y avoir entre le 3 temps, le 2 temps. Oui, voilà. Ce qui fait qu'un 8 temps peut être un 3 plus 2 plus 3, par exemple, ou un 4 fois 4, un 4 plus 4. Des choses très différentes, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que dans la succession des mots, on arrive à trouver des rythmes qui seraient asymétriques. Même par exemple, voilà, ça c'est une chanson qui n'a pas de mélodie. Mais justement, peut-être parce que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas de mélodie.
Parce que dans la composition des mots, on peut avoir, chez Gaussin Faidid notamment, on n'a pas de, il déroge beaucoup à la règle, quoi. Ce n'est jamais très régulier, quoi. C'est pas 8, 7, 8, 7, masculin, féminin. Ça peut être 8, 3, 2, 2. C'est des découpages bizarres, quoi. À côté de ça, on a des chansons comme Guillaume Adhémar qui sont rythmées naturellement, mais avec des mots très longs, comme Comença men, comenzarai, comenzam pois, comenzasai, un vers verta die verai, tout ver veramen e verai, si poirai discuja cujan la cuja que cuja il autran, cujan cuja il prim primier, prima menam prim cusirie. Donc ça fait des mots très longs, comença men, comenzarai, avec des prim primier, avec des mots à une syllabe. C'est intéressant. J'ai essayé de faire une traduction un peu la plus proche du texte possible. C'est vrai, c'est pas évident en français parce qu'on n'a pas les mots, quoi. Mais ça donnerait par le commencement, je commencerai en commençant, puisque je sais commencer, un vers véridique et vrai, tout à fait vrai, vraiment, je verrai si je pourrais l'oublier en y pensant, la pensée que je pensais l'an dernier, pensant en délicat penseur, en premier, finement, et avec de subtils soucis. Soucieux d'un découragement. C'est comme un mantra, quoi. C'est étrange parce que c'est un rebondissement. Mais en même temps, le rythme qu'on pourrait dégager de ça, c'est quoi? Il vient d'où? On ne peut pas savoir, quoi. C'est le grand problème de la musicologie aujourd'hui, c'est que on sait très bien analyser on sait très bien à analyser des notations. On les comprend, mais on ne sait rien des rythmes. Et là, ce sont surtout pas les philologues qui vont apporter des réponses. Parce qu'eux mettent des virgules partout, des de points, de la ponctuation, parce qu'ils transfèrent avec la langue d'aujourd'hui. Après, ils s'aperçoivent que ça ne va pas, donc ils enlèvent la ponctuation. Bref, à la fin, zéro réponse. Est-ce qu'il faut avoir une réponse ? Si je peux ajouter quelque chose sur cette idée des chevaux, donc je ne suis pas experte sur des chevaux, mais Guillaume Neuf, avec sa chanson sur, quand il dit « Je suis en train de dormir à cheval », donc c'est intéressant parce que ça, c'est sûr qu'il rejette l'idée que qu'est-ce qu'on devrait faire à cheval. Ça veut dire que je dois, comme chevalier, je dois aller à la croisade, je devrais faire la guerre et tout cela. Et ça, à dire que je suis en train de dormir, et ça c'est vraiment un acte provocatif. Hein, non, c'est une provocation contre l'Église, contre l'idéologie féodale que je dois faire quelque chose avec à cheval. Donc je pense que c'est intéressant quand même que ce qu'il fait, comme le premier troubadour, c'est qu'il compose quelque chose avec le rythme. Et un rythme qui est presque comme si, peut-être je fais une bêtise, c'est vraiment comme d'être, c'est comme un rythme très spécifique. Comme en fait mes étudiants disent toujours, c'est comme les chevaux, comme le rythme, comme nous parlons. Donc c'est intéressant qu'il en fait il fait un art de troubard, il invente un art de troubard qui rejette cette idéologie comme chevalier, que c'est une idéologie de la croisade, de la guerre, la chanson de geste. Et je pense que c'est important pour le premier troubadour qu'il ait fait quelque chose comme ça. Bon, c'est juste quelque chose d'ajouté. Oui, c'est une remarque importante, Marissa, effectivement, parce que quand on prend son cheval et qu'on est le comte d'Aquitaine, on ne va pas sur son cheval pour composer des chansons. On est censé prendre son cheval pour tracer un chemin, celui de la noblesse, avec son arme, ses compagnons d'armes et la conquête. Et effectivement, c'est un pied de nez à l'Église, un de plus. J'imagine que les troubadours, ils n'ont pas composé qu'à cheval. Parce que là, on se concentre sur,
sur ce que les troubadours auraient pu composer à cheval. J'imagine qu'ils faisaient, qu'ils pouvaient composer aussi en dehors d'un cheval. Oui, oui, donc ça, c'est parce qu'on passait beaucoup de temps à cheval. Mais par exemple, on a un témoignage de Cervère de Gironde qui dit « Le Seigneur a arrêté de regarder par-dessus mon épaule, et là, vous voyez bien que je suis en train de faire des chansons. » Ça veut dire c'est l'affirmation d'un travail. C'est le poète officiel de la cour des comtes de Barcelone. Et il est là, voilà, il dit ça, quoi. Et comme il dit aussi, je vais faire une chanson à partir de tout ce que je me suis noté à l'intérieur. Donc, il n'y a pas forcément, que l'on soit à cheval, à pied ou en bateau, quand on voyage, et qu'on écrit, mais même si on ne bouge pas, il n'y a pas forcément de quoi noter tout de suite les idées, dont le note à l'intérieur. Ça, c'est un vieux concept artistique là, de l'écriture. Je pense que c'est important quand même de parler du cheval malgré tout. Parce que moi j'ai l'expérience en ce moment, je travaille avec un chanteur de Mongolie. Et en fait, il pense tout par le cheval. Et non seulement sa musique, mais celle des autres. Parce qu'il est conditionné par ça. Et il a une respiration qui est liée à cette culture du cheval. Tout est chez lui marqué par ça. Donc c'est quand même assez important, je pense. Et peut-être qu'on n'en a pas assez parlé aussi. Quand on évoquait les troubadours, c'était un peu, comme tu dis, l'image d'Épinal avec le luth sur le dos. Et puis, voilà. Et puis, le cheval, il faut parfois changer les fers. C'est le maréchal Ferrand qui fait ça, et quand ça tape, le maréchal Ferrand, ça produit un rythme aussi. Je sais pas. Et puis peut-être que s'ils n'ont pas noté le rythme, c'est peut-être qu'ils ne trouvent pas ça nécessaire. De le représenter, parce que peut-être ça n'avait pas d'intérêt, enfin je sais pas, hein, je me permets de... Oui, enfin alors là, on peut tout imaginer encore une fois, étant donné que le rythme n'est pas noté, qu'on note les rythmes sur les traces mélodiques beaucoup plus tardivement, surtout quand il s'agit de faire chanter plusieurs personnes en même temps, mais là, la question ne se pose même pas, quoi. Ça veut dire que quand on regarde les mélodies de Guiraud Riquier qui sont extrêmement ornées, complexes, et il n'y a pas de rythme, sauf une barre qui signifie tout simplement la fin du vers. Alors voilà, la question reste entière. Est-ce que cette barre, c'est une barre de respiration? Parce que ça c'est pas une barre de rythme, ça n'a pas de sens. Est-ce que... C'est juste la barre pour signifier que c'est la fin du vers et point barre, ce qui est aussi totalement acceptable, on ne sait pas. Mais c'est vrai que quand on est devant une mélodie ornée comme ça, comme celle de Peyre Vidal, on a besoin de reprendre sa respiration à un moment. Et il se trouve que là, en l'occurrence, même en la chantant dans un débit de professionnel, on a vraiment besoin de respirer à la fin du vers. Parce que quand on fait... Et ça paraît assez logique finalement. Mais bon, c'est pas une barre de rythme, dans tous les cas. D'abord, ça n'existe pas les barres de rythme. Et sur un autre plan, dans notre société d'aujourd'hui, que reste-t-il des troubadours? S'il y a quelque chose qui reste très fort. Alors, oui, là après, ce qui reste aujourd'hui, c'est que, d'ailleurs j'avais prévu d'en parler, mais c'est bien que tu poses la question finalement, c'est que il y a quand même toute une tradition poétique occitane qui, malgré tout, essaie de remonter à la source, quoi. À la fois source d'inspiration, et puis... Moi, je pense aux poètes comme Jaume Privat, René Nelly, Franck Bardou, Roland Pécou. Ce sont des poètes qui réfléchissent vraiment sur la fabrication d'un poème comme pouvait le réfléchir Arnaud Daniel, quand il disait il faut Obra, Fabrega, Daura, avec la lime, le rabot, enfin bref, il faut
faire une œuvre comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit jolie, l'œuvre, parce que jolie, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elle est pensée et que chaque mot est à sa place pour avoir une fonction particulièrement pertinente. Et aujourd'hui, il existe dans le domaine de la poésie ça, dans le domaine de l'interprétation des gens comme nous qui essayons de faire connaître les troubadours à travers ne serait-ce que le fait de les chanter, c'est déjà beaucoup. Une fois, j'avais rencontré Aurelio Roncaglia, qui est un très grand médiéviste, et qui me disait, vous savez Gérard, les troubadours, il faut les chanter, parce que pour comprendre, il faut les chanter. Et c'est vrai que moi, je pensais qu'il allait m'apporter une réponse beaucoup plus intéressante, et en fait, elle était hyper intéressante, la réponse, elle était d'une évidence telle que, encore une fois, Geoffrey Rudel, plus vous allez chanter ma chanson, et vous allez voir comme elle va s'améliorer. C'est ce qu'il reste. Alors aujourd'hui, les troubadours, qu'est-ce qu'il en reste dans la vie de tous les jours, à part le nom du restaurant, le Joyeux Troubadour, ou bien la chorale, les Joyeux Troubadours du Minervois, etc. Ce qui reste finalement, c'est mieux que tout ça finalement, c'est un problème posé comme une sorte de réflexion. Parce que les troubadours sont les premiers humanistes. Parce qu'ils sont les premiers à avoir pris une position contre une écriture établie, celle du latin usuel et de la position de l'Église de Rome. Parce qu'ils sont les premiers également à avoir pris une position sur l'importance, le fait d'accorder de l'importance à la relation entre l'homme et la femme. Après, bien sûr, l'Occitanie des troubadours, je ne sais pas si les troubadours auraient défendu l'Occitanie comme ça, avec des mots un peu inappropriés aujourd'hui. Parce que eux, leur concept, c'était vraiment saber et connaissance. Pour s'élever, il fallait savoir et connaissance. Et savoir et connaissance, eh bien, ça permettait à la fois d'être un artiste, mais à la fois d'être dans la société et d'y participer de façon active, hein, puisqu'il y a quand même des troubadours qui ont joué des rôles non négligeables dans la vie politique. Il y a des troubadours, d'ailleurs, notamment dans l'Italie du Nord, je pense à Lanfranco Cigala ou Bonifacio Calvo, qui étaient des podestas. Ils étaient très importants dans leur société, ils étaient troubadours. Et sans compter le premier troubadour, bien sûr. Mais il y a ces deux choses. Parce que là, je vous ai parlé de l'art de troubard, parce que ça me paraît finalement la source, l'entrée la plus intéressante, parce que il y a René Nelly disait la poésie aux armes de veritat. La poésie est une arme de vérité. Machado dit la même chose. Pablo Neruda dit la même chose. C'est-à-dire que la poésie peut être une action très forte et peut être un levier pour faire changer les choses. Et aujourd'hui, on parle des troubadours de façon un petit peu différente. Moi, j'ai un peu peur, d'ailleurs, de la façon dont on en parle, parce qu'on dit toujours, oui, les valeurs de convivencia et parace qui nous ont été transmises par les troubadours pour la société occitane actuelle. C'est pas tout à fait ça qu'ils ont dit, les troubadours. Le vivre ensemble et le parace, qui est plutôt lié à la société nobiliaire, n'a rien à voir avec saber, connaissance et genie et magnitas culor, hein, encore une fois. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui devant la même interrogation, et je reviens à Gérard Goulin, opni, objet poétique non identifié. Bon, on n'a pas tout compris, les troubadours. Moi, je sais que je travaille sur le sujet depuis très longtemps, et j'aimerais bien comprendre Rimbaud d'Orange. Très compliqué. C'est très compliqué. Ah. Et c'est ce qui m'intéresse toujours. Hein. C'est pour ça que je m'intéresse, parce que je ne comprends pas. Donc j'essaie de comprendre. Mais c'est vrai que je peux imaginer que les gens qui commencent à faire des études sérieuses, bien sûr, sur les troubadours, au bout de 2 ou 3 ans, ils disent, bon, ça va, au revoir, quoi.
Parce que là, encore une fois, il faut s'intéresser à plus que l'image. Et bien sûr, après, nous savons que, notamment aux États-Unis, le mot troubadour s'est attaché à la protestant, au mouvement protestataire avec Tiger, Woody Guthrie, etc. Il y a eu dans un en 1973, Mick Jagger des Rolling Stones s'adressait aux rockers français, et dans cette interview, il disait que les rockers français feraient mieux d'apprendre les mélodies des troubadours. Et moi, je trouvais ça extra et un peu extraterrestre, mais quand j'écoute que Sting chante Dowland, ça ne m'étonne pas du tout. Ça veut dire qu'à un moment, un artiste qui n'aurait pas du tout besoin de s'intéresser pour aller chercher des idées dans un répertoire extrêmement éloigné, va le faire. Donc, qu'est-ce qui reste, Thierry, mon cher? Tu le sais, c'est ça. C'est-à-dire que il reste beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, l'image qu'on a des troubadours, c'est, ça reste quelque chose de folklorique et en fait, finalement, erroné par rapport à tout ce que tu viens de dire. Pourquoi c'est la faute à Joanne de Notre-Dame. Pourquoi on en est arrivé là, en fait? Pourquoi aujourd'hui, le citoyen lambda pense qu'un troubadour, ben, c'est justement ce cliché qu'on a de lui? Le frère de Nostradamus, du célèbre astrologue, Joan de Notre-Dame, a mis en avant les vies fabuleuses des troubadours. Et pendant longtemps, ces vies fabuleuses des troubadours ont alimenté beaucoup le romantisme. Et donc, les romantiques ont joué deux fonctions. Il y a ceux comme Stendhal, Rostand, Swinburne, Heinrich Heine qui se sont intéressés aux troubadours, à la fois à partir des vidas de troubadours, donc c'est cet univers de légende, des vidas et des raseaux de troubadours, et il y a ceux qui, comme Nietzsche, sont allés un petit peu plus loin, ou même Lacan. Lacan, par exemple, il s'est attaché à écrire sur la chanson de Marc Cabru. Sur une des chansons de Marc Cabru, sur le Douil, on ne peut pas imaginer qu'un chameau va passer par le chat d'une aiguille. Là, c'est une approche complètement autre. Donc, mais il y a ces deux choses. Quoi. Je ne dis pas que Lacan est un romantique, hein, pas du tout. Mais vous avez compris. Quoi. C'est-à-dire les romantiques ont développé les images, mais Mélisende de Heinrich Heine, c'est extraordinaire. Quoi. Après, on s'est interrogé aussi beaucoup sur le côté philosophique. Bernard-Henri Lévy, jamais ne s'est intéressé. Non. Moi, j'aurais... J'aurais une autre question, pardon. C'est en vous écoutant parler, puis là, ce que vous venez de dire, j'ai beaucoup pensé à Montaigne. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué, mais... à la fois par son côté musical, sa pensée un petit peu polyphonique, etc. Son amour pour les chevaux, d'ailleurs. Est-ce que, même si c'est bien après, bien sûr, hein, c'est le 16e, mais est-ce qu'on a déjà dit qu'il y avait une filiation, que c'était un héritier peut-être de cette culture-là ou non? Écoutez, là c'est la première fois que je l'entends. Donc je vous invite à poursuivre, à découvrir votre intuition. Je pense que les troubadours, effectivement, on peut trouver des échos chez tous les poètes, hein. Depuis Ronsard jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut aller un peu plus loin pour comprendre. Je crois que il faut analyser les textes, voir. On sait très bien que chez Dante Alighieri et Francesco Petrarca, l'écho des troubadours est présent de façon très significative. Il faut savoir qu'ils ont été aussi en possession des manuscrits qui avaient été copiés des chansons de troubadour, les deux grands Italiens. Et bien sûr, dans la Divina Commedia, Dante Alighieri cite souvent, mais
je n'ai pas, moi je n'ai pas lu chez Montaigne d'allusion au troubadour. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est le fait que, et saint Augustin d'ailleurs dans les confessions c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est juste bien avant évidemment Montaigne, mais c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire c'est l'expérience de soi pour aller à la connaissance. Et chez le troubadour, d'une certaine manière, ce que tu as dit depuis le début, ben, saber, connaissance, etc., c'est aussi à partir d'une connaissance de soi. Et c'est ça peut-être qui est assez moderne finalement chez le troubadour, à la fois chez Saint-Augustin et Montaigne, et puis d'autres évidemment. Hein. Et ce sont des... Pardon ? Oui, la seule différence, c'est que les troubadours ne s'interrogent pas là-dessus. Ouais, les troubadours n'ont pas les mêmes interrogations que Descartes. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la pensée philosophique, on est dans une pensée psycho-sociale, culturelle. Je dirais qu'avec les troubadours, on est plus près de Freud que de Montaigne, ça c'est clair. Parce qu'on s'interroge beaucoup sur la relation. Quand Raymond de Miraval il dit dans sa chanson Celle que nous voulons aux Itchansou, Madame, ce que je veux, c'est vous embrasser, vous enlacer, vous baiser, et on verra après pour les manches et le cordon, ça veut dire pour les politesses, c'est clair, quoi. On est dans un registre là qui n'a rien à voir. À côté de ça, il peut écrire une chanson qui s'adresse à une dame, Brunicène de Cabaret, qui est une dame hérétique, et il va dire. Madame, que sur moi s'étend de l'esprit de votre joy, de votre plaisir. Cette notion de joy, d'ailleurs, bon, sinon là, ça va durer 3 semaines. Là, si on commence à parler de l'intérieur, de comment fonctionnent les mécanismes du plaisir chez les troubadours, ce qui est très 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 intéressant d'ailleurs. Hein. Mais le joy, c'est le plaisir, c'est vraiment à la fois la joie et le plaisir accompli et le plaisir désiré. Et donc, ce qui veut dire que on est dans un domaine où, pour la première fois, on exprime, et on est au XIIe siècle et XIIIe siècle, on exprime le sentiment amoureux, ce qui est quand même très important et totalement novateur. Parce que en face, nous avons un autre schéma qui se dessine avec les bons hommes et le catharisme, c'est le schéma spirituel de l'idée dualiste du catharisme, du bien et du mal. Eux sont complètement sur autre chose, pas sur le spirituel, alors qu'ils pourraient. Ils écrivent vraiment sur la relation. Pour ce qui est des chansons d'amour, hein, ça c'est vraiment le troubard. Pour moi, le troubard le plus intéressant et le plus révolutionnaire chez les troubadours, c'est ça. Ça veut dire, c'est comment un homme, une femme, une femme, comment on peut avoir développé des relations très profondes du plaisir et du sentiment amoureux. Comment ça se construit, comment ça se bâtit, comment ça marche. Alors, il y a le roman de Flamenca, par exemple, qui apporte une réponse. Quand deux amants fidèles et cordiaux se regardent, l'amour passe par les yeux et va descendre jusqu'au cœur. C'est une image quand même qui est assez intéressante et qui interroge sur un plan psychologique. C'est évident. Parce que c'est jamais que on ne peut pas lire simplement au premier degré. La vraie révolution, elle est là. Ça veut dire que c'est la considération de l'autre, d'une part. C'est aussi, chose très importante chez les troubadours, ce sentiment de faire partie d'une communauté qui réfléchit sur des... Bon, il parle bien sûr de valeurs courtoises, mais il faut savoir encore ce que ça veut dire, parce que le mot valeur, chez eux, c'est à la fois des comportements qui sont courtois et discourtois, d'ailleurs,
courtois, et discourtois au sens moderne du terme, pour le coup, et qui doivent être au sommet d'une réflexion devant tout le public et à la cour. C'est très important. Et encore une fois, la société occitane le permet, parce que la société occitane est basée sur l'importance de la femme qui est aux commandes. Ça, c'est très important à souligner encore et encore. Parce que quand les premiers Minnesinger ont imité les troubadours, forcément, ça ne marchait pas. Ça veut dire que quand Neidhard von Rundal imite Peyre Vidal et va imiter une chanson de Peyre Vidal adressée à une dame dont la place, la position dans la cour médiévale de Bavière était totalement insignifiante, ça tombe à plat complètement. Donc on peut pas. Le discours de Peyre Vidal sur l'amour et à la fois sur le troubard adressé à la dame du seigneur Barral, retransposé à la société allemande, c'est rien. Ça ne marche pas du tout. C'est pour ça qu'il faut attendre Walter von der Vogelweide pour qu'on fasse des chansons très simples, pas beaucoup compliquées, où on ne parle pas d'amour, juste des oiseaux. Alors, la femme est au centre de la société occitane. Est-ce qu'il y a des troubadours femmes, est-ce qu'il y a des textes de femmes? Est-ce que c'est toujours des hommes qui ont écrit les textes? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que je parlais sur l'art de troubadour, mais il n'y a pas de distinguo. On peut être un troubadour troubaïritz, donc une troubadour femme. Et alors, il y a eu un moment où c'était très intéressant. Moi, quand j'ai commencé à étudier les troubadours, j'ai rencontré un grand philologue français qui avait déjà écrit plein de bouquins. Et un jour, il me disait, ce sont des conneries, ça. Elles ont été créées de toutes pièces par les hommes. Et lui, il défendait la thèse que les femmes troubadours n'existaient pas. C'était des hommes qui avaient écrit des poèmes en donnant des noms de femmes comme la Lombarde, la Castelliose et tout ça. Mais bon, il y a effectivement une poésie de femmes troubadours. Avec, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des sujets qui sont abordés par les femmes, comme la pucelle, l'éducation de la pucelle, ou la contraception, qu'on ne trouve pas du tout dans les textes des troubadours. L'enseignement de la... Alors, les hommes, comme Guiraud d'Espagne, écrivent l'enseignement de la donzelle, mais les femmes, c'est la chanson de la pucelle. C'est vraiment une histoire de fou. Et puis, tu as dit que ça a duré 2 siècles, en gros, et ensuite, ça s'est arrêté. Est-ce qu'il y avait une période plutôt de paix? Puisque j'ai bien compris, vers la fin, après, on a commencé à mettre plus de politique quoi, dans les textes. Est-ce que c'était une période de paix? Il n'y a pas eu de période de paix, justement. Ça, le problème, c'est que... Enfin, avant, oui, bien sûr. Mais à partir du moment où il y a la croisade contre les albigeois, bien sûr, il y a encore des chansons d'amour qui sont écrites. Il y a des troubadours. Beaucoup de troubadours viennent du milieu para-ecclésiastique, qui sont des moines défroqués, des chanoines, comme Guy Ducel, par exemple. Et par exemple, pour la vie de Guy Ducel, justement, il fit des chansons d'amour, dit la vida, jusqu'à ce que le pape lui demande d'arrêter. Quoi. c'est intéressant, parce que là, on passe dans ce troubard politique. Et excepté pour Guiraud Riquier, qui encore joue un peu essaye de jouer sur les deux tableaux, à la fois le tableau, mais pas politique, c'est intéressant, parce que Guiraud Riquier, il a vraiment une place un peu à part. Il écrit pas vraiment des chansons d'amour concentrées sur l'amour, comme pouvait le faire Raymond de Miraval, qui sont vraiment des théoriciens de la relation amoureuse.
il écrit un amour de circonstances, je dirais. Mais c'est, il écrit surtout sur comment marche cette société médiévale. Comme je disais tout à l'heure, là, par rapport au fait que les gens ne sont plus tellement intéressés par les chansons courtes. Et donc, quand ça s'arrête pas de façon brutale, le problème n'est pas là. Ça s'arrête tout simplement avec l'exil des troubadours et puis le fait qu'ils n'ont plus aucun intérêt dans les cours occitanes, puisque dans les cours occitanes, il y a les barons français qui ne s'intéressent plus du tout à tout ça, à la poésie. Donc, ça s'arrête comme ça, mulando. Mais ça veut dire qu'après, d'ailleurs, ça prend une tournure qui n'est pas très intéressante, comme Ma Frère Mengo à Béziers, qui va développer tout un système paratroubadouresque, écrire avec... qui va plus écrire, d'ailleurs, sur les comportements un peu légiférés. On va même plus loin, en 1325, Guillaume Moulinier est chargé de rédiger les leis d'amour, les lois d'amour. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour exprimé tel qu'il était n'existe plus. Puisque là, on va figer définitivement avec des mots, en disant qu'une chanson doit être composée comme ceci, comme cela, elle doit utiliser tel mot, elle doit parler de ça. Enfin bref... On revient à des choses qui ne sont plus du tout dans le domaine psychologique, mais uniquement sur l'amour charnel, amour carnalis. Et on légifère. Voilà. Il écrit ses laïs d'amour, c'est soumis à l'inquisiteur qui approuve, et à partir de là, vont avoir lieu, autour de la joyeuse compagnie des sept troubadours de Toulouse, des concours de poésie en occitan, qui va récompenser d'une violette ou d'une autre fleur le gagnant, dont un des gagnants sera Gaston Phébus. Et là, c'est plus du tout du troubard, mais plus du tout. On est très loin. On est dans ce qui va donner naissance certainement au félibré, au félibrige. C'est-à-dire, on va célébrer la langue, pour un amour de pacotille et immédiat, mais rien, et d'ailleurs très peu l'amour, plus la nature que l'amour. Et voilà comment ça disparaît, quoi. En fait, ça va disparaître derrière, sous un tas de lois d'amour, c'est le cas de le dire. C'est étrange. Et en même temps, ça correspond à ce qui était en train de se passer sur le plan politique, avec l'édit de Villers-Cotterêts, et puis jusqu'à François Ier qui va favoriser la langue d'Oïl au détriment des autres langues, et qui va imposer le français avec une pensée qui n'a plus rien à voir avec celle du troubard. Ça va ? Tiens, juste une petite réflexion. Juste une petite réflexion. Pour moi, les arts sont liés, et donc vous parliez des troubadours, donc la poésie, le troubadour, etc., qui est lié à la musique. La musique est aussi liée à la danse. Et est-ce qu'on ne peut pas trouver, parce qu'on sait, il existe encore, on connaît certaines danses médiévales, et est-ce qu'on ne peut pas retrouver les rythmes de musique de troubadour par ces rythmes de danse? Alors, est-ce que vous avez déjà fait des recherches là-dessus? Bien entendu. La seule danse médiévale exprimée comme telle et mentionnée comme telle, c'est Kalendamaya ni Foy de Faya ni Chan Dosel ni Flo de Glaya. C'est qui déjà? Rimbaud de Vaquer, ça? Calenda Mayani Foy de Fayani Chando Serena. Raymond de Vaqueras. Alors, voilà ce que dit Larrazo. Larrazo dit que ce troubadour a
était à la cour de France et il a entendu deux joueurs de vielle jouer cette danse. Et il en a fait la chanson qui suit. Alors, je ne suis incapable de vous dire dans quel rythme elle était. Non, mais vous parliez de la. Alors, on appelle ça une estampida, ce qui vient de stampian, ce qui veut dire taper du pied. C'est tout ce qu'on sait. Voilà, c'est la seule indication. Après, on sait qu'il existe des danses, des caroles, des bailas, mais on ne sait pas comment c'est. En tout cas, dans le domaine des textes des troubadours, à part des balades et des. Mais c'est tout, quoi. Le seul témoignage très significatif, c'est celui-ci, l'estampida de Raymond Vaquerès. C'est bien Raymond Vaquerès, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est bon, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Alors c'est parfait, je vous remercie. Et je vous remercie surtout de ne pas avoir posé. Ah, pardon, excusez-moi, Marissa. Bon, ça va. Je vous remercie de ne pas avoir posé la question sur les troubadours cathares. Je voudrais retourner à cette idée que les troubadours sont humanistes parce que je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il faut préciser, non? C'est juste quand on parle d'humaniste, on parle des Montaigne, Shakespeare, tout cela. Et je pense, pour moi au moins, c'est ce qui était intéressant des troubadours, c'est juste qu'ils ne sont pas humanistes dans le même sens. En fait, pour lui, quand on parle du soi, de l'être humain, pour les troubadours, c'est quelque chose de différent. Mais pour les troubadours, le plus important, c'est de créer un ordre objectif avec cette idée inspirée par le désir pour cultiver le rapport ou articuler le rapport entre la femme et l'objet désiré, tout cela. Mais ce n'est pas un art humaniste. Hein. Ça, c'est quelque chose de différent. C'est une. C'est vraiment, ça fait partie de la culture médiévale où il y a la religion. Il n'y a pas une séparation entre l'être et Dieu ou l'objet désiré ou tout cela. Mais il faut préciser, non? C'est qu'il y a, ce n'est pas un art, ce n'est pas les humanistes. Ce n'est pas un soi, c'est une subjectivité, mais ce n'est pas un être humain quand on parle d'un être humain ou humanisme de Shakespeare, Montaigne, tout cela, et même Pétrarque. On peut dire que Pétrarque, c'est le premier ministre, hein, mais c'est ça juste après, c'est plusieurs années après l'époque des troubadours. Hein. Mais on peut discuter plus tard, mais pour moi, c'est pourquoi les troubadours sont intéressants. L'art du troubard ne fait partie de la culture humaine, comme ça, l'humanisme, comme ça. Mais quand j'ai évoqué l'humanisme, ça n'avait rien à voir avec Montaigne. I'm just throwing something into the ring on the Anangu. Yes. Mais ce ne sont pas les humanistes de la Pléiade, quoi. Ce n'est pas l'humanisme de Montaigne, les troubadours, mais ça, je crois. C'était assez compris. C'est pas au sens humaniste aujourd'hui. Oui, oui. Et Marissa, tu as complètement raison, effectivement. Ouais. C'est ça qui interroge encore, le désir. Le désir refoulé, le désir accompli, tout ça est intéressant. Ouais.